Vas-y. Serre, avance dans le terrain. Quelques échanges de balles avec les jeunes joueurs du club, un moment de relâchement pour Margot Bovy. Professionnelle depuis 2 ans, elle n'a que 20 ans. Et pour elle, ce tournoi, c'est une première étape dans une carrière qu'elle espère longue. C'est le début, c'est les 15 000 dollars. Du coup, voilà, on est au tout début. On sait que le chemin est encore très long, qu'on est au tout début de l'échelle. Et voilà, le principal, c'est d'enchaîner les matchs, de faire évoluer son niveau pour progresser. Et puis plus tard, qui sait, hein. L'Iris Ladies Trophy, c'est le seul tournoi de cette envergure organisé en région bruxelloise. 32 joueuses s'affrontent dans le tableau final. Une occasion de gagner des points au classement mondial. Quand elle termine le tournoi ici, nous avons un souhait. C'est celui de ne plus la revoir ici. Ça veut dire qu'elle a progressé, qu'elle ferait alors des 25 000 dollars ou d'autres encore. Et donc, elle est lancée. Les meilleurs du tournoi se partagent 15 000 dollars. L'espoir de ces professionnels, c'est de pouvoir vivre de leur sport. Et ce n'est pas toujours simple. J'ai de la chance d'avoir mes parents qui sont derrière, qui veulent bien me soutenir financièrement et moralement. Parce que faire le circuit à notre niveau, c'est beaucoup d'investissement. Mais malheureusement, financièrement, on est encore en négatif. Mais l'Iris Lady Trophy a déjà accueilli de très grandes championnes. Kim Clijsters par exemple, qui il y a 20 ans a remporté la première édition du tournoi.